أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، شكرا لجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui nous sommes le 26 de Ramadan, 9e mois islamique, Hijra 1445 ans de Hijra. Nous sommes vendredi. Calendrier des blancs, nous sommes le 54e mois, l'an 2024. Nous sommes dans le mois d'avril. Nous sommes dans le tafsir de Surat Al-An'am. Hier, on s'est arrêté verset 119. Aujourd'hui, on va quitter verset 120. Allah dit quoi? A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. الله سبحانه وتعالى ينادي وذروا ظاهر الإثم والباطنة. Éloignez-vous des péchés, laissez les péchés à Zahir, péché en public. Walbatin est le péché en cachette. Ne le fais pas. Que ça soit péché en public, éloignez de vous. Que ça soit péché en cachette, éloignez de vous. Quand tu veux commettre le péché, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala interdit. C'est-à-dire, comme Allah dit, péché en public, il faut t'éloigner. Péché en cachette, il faut t'éloigner. Ils ont dit, c'est comme ça, Khalil, petit péché, ou soit grand péché, tous, il faut les éloigner. Khalil ou Wakasir, petit péché, il faut éloigner. Grand péché, il faut éloigner. Allah nous a interdit. Que Dieu nous facilite. Dans l'autre verset, il a dit, Kul innama harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit toute petite. Choses ne vont pas marcher comme si tu veux. Et tu seras bloqué dans les péchés. À cause de ça, on dit. L'homme, si Allah subhanahu wa ta'ala interdit le péché, il ne faut pas regarder la valeur du péché. Le poète a commencé à dire Isa Aznam Tazan Mansogiro, voilà Tanzur Ila Asgarihi, voilà qu'il n'onzur Ila Man Asweida. Faïna Kala Tadiri, Biaï Zambin Avogatahu. Le poète a dit, si tu as fait le petit péché, il ne faut pas regarder que péché là c'est petit. Il faut regarder qui a interdit le péché, c'est Allah, c'est Allah qui est grand. Parce que en minimisant le péché, tu ne sais pas laquelle tu vas commettre et Allah il va s'énerver. Quelqu'un peut commettre certains péchés, Allah ne lui fait rien. Et si toi tu fais ça, Allah il peut te frapper. Ne négligez pas le péché. Les Arabes disent Dima Lumina Aswa. Les montagnes que vous voyez là, ils étaient des petits cailloux qui ont grandi comme ça. C'est devenu grand. Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a déplacé avec les Sahaba. Il partait à quelque part, arrivé à certains lieux. Ils ont dit, on va mettre le feu. Il fait un peu froid. Et chacun allait ne qu'à chercher le bois. L'autre a amené un bois, l'autre a amené un, l'autre a amené un, jusqu'à on a regroupé. Ils ont mis le feu. Le prophète a dit, vous avez vu? Toi tu as amené le bois, celui a amené ça, regroupé, c'est devenu beaucoup, on a mis le feu. Il a dit, c'est comme ça, aujourd'hui péché, demain péché, après demain péché, ça devient le feu, ça te brûle.
كل ذا الله نزا أوفري لا بورتي دي استغفار والتوبة repentation et demander à Allah pardon. On ne joue pas avec les péchés. Si Allah interdit quelque chose, il ne faut pas dire ça c'est petit, ça ne fait rien. Non. Le péché en public, le péché en cachette, Allah nous a interdit. Il a dit, inna lazina yaksibun al-ism. Ceux-là qui refusent de continuer profondément dans le péché, ça y est, Allah dit, certes, nous allons les rendre à la manière qu'ils sont en train de faire. Nous allons les rendre. On a demandé au prophète Mohammed, qu'est-ce qu'on appelle Al-Islam? Celui qui a dit ça, il s'appelle Sama'an. C'est Sama'an qui a dit, Rasulallah, anil ism. Sama'an a dit, j'ai demandé le prophète, qu'est-ce qu'on appelle ism? Faqala al-ismu ma'hanaka fi sadr wa karahta an yuttali al-nasu ilayhi ou alayhi. Elle a dit, si on dit péché, c'est quelque chose qui bloque le cœur, ça touche ton cœur. Et en faisant ça, tu regardes à gauche et tu regardes à droite. Tout ce que tu veux faire, tu regardes à gauche, à droite. Toi-même, tu sais que c'est quoi. Tu ne veux pas quelqu'un te voir. Ce moment, c'est péché. Vous avez vu le tarif que le prophète a donné? Tout ce que tu fais, tu ne veux pas que les gens te voient? Te voient. C'est ça qui est le péché. Prenez exemple, un musulman que Shaitan a trompé, qui joue les tiercés. Les tiercés qui sont sur la bord de la route, le mont, voilà, il ne peut pas jouer là-bas. Il passe à aller chercher l'autre qui est dans le coin caché là-bas. C'est vrai ou faux? Et il paye, même il regarde en gauche, il regarde quoi? À droite. Ça coûte ça, le péché, c'est le tarif que le prophète a donné, c'est Imam Muslim qui a amené le kitab al-Birri wa Silla. Qu'Allah nous éloigne contre le péché. Amen. On ne joue pas. Tu as vu, Allah dit, il n'a lesina, t'as qui? Il a dit, certes, ceux-là, yaksibou n'al isim, qui commis les péchés, on les a parlé, ils ont refusé. Sawa an kana zahiran au khafiyan. Ils ont fait le péché là en public ou en cachette. فإن الله سيجزيه ما عليه الله va les rendre équivalent de leurs péchés car nous pardonne. Il a dit quoi? ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وَإِنْ أَطَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Allah dit, وَلَا تَعْكُلُوا, ne mangez pas. مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ إِسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. Ne mangez pas tout ce qu'on n'est pas égorgé ça avec le nom d'Allah. Ne mangez pas. Car, وَإِنَّهُ لَفِسْكُ. C'est une quelque chose qui est mauvais. C'est salité. Vous les musulmans, vous ne devez pas manger. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ. Les démons, il fait des mauvaises révélations envers leurs partisans, afin que les yujadilukum, ils vont venir vous critiquer sur l'affaire de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ata'tumuhum, si vous les écoutez, vous obéissez leurs passions, et non comme vous qui vont les obéir, la mushrikun, vous devient parmi les associateurs. Les koufars de la Mecque, ils sont venus voir le prophète Mohammed. Il a dit, monsieur là, il a quel problème? Est-ce qu'il est normal? Regardez un kafir qui va parler ça à notre prophète Mohammed. Il dit, on ne comprend pas la foi du prophète Mohammed. On ne comprend pas. Pourquoi? Si l'animal est mort, qui l'a fait mourir? Le prophète a dit c'est Allah. Il a dit bon, c'est Allah qui l'a fait mourir à lui. Et il a dit mais, et si vous vous égorgez quelque chose, qui l'a tué? Et c'est moi qui l'a égorgé, mais c'est Allah qui a tué.
il a dit, c'est toi qui l'as protégé. Mais pourquoi vous? C'est ce que Allah même a tué, vous ne mangez pas. Mais c'est ce que vous, vous avez tué, c'est ça que vous mangez. Vous avez vu ça là, c'est ça qu'on appelle Shouha. Les paroles, si tu ne connais pas les contextes, ça peut te tromper. C'est ça, Allah dit, wa innal shayatin. Ça, c'est ceux qui critiquent les coupables, Allah les a appelés les diables. Les yakuruna ila awliyaihi. Il vient envers leur awliya, leur partisan, les dit, allez, faisait débat avec les musulmans. Ils vont venir vous critiquer. Pourquoi si un animal est mort, c'est là qu'il y a Dieu, vous ne mangez pas. Mais ce que vous avez égorgé, vous mangez les yudadaloukou. Si vous aussi vous n'avez pas confiance, si vous les suivez comme ça, et les choses qui sont mortes et vous mangez, il n'a comme la mouchoukou, vous devient parmi les associateurs. C'est là que le prophète les a dit, celui qui est mort, oui, c'est Allah qui a tué, mais il est mort pas avec Bismillah. Là, il est mort mouche. Mais celui que nous, on l'a tué, on a appelé le nom de Allah, Bismillah, Allahu Akbar, et on l'a égorgé. C'est lui, Allah, qui a dit, ce qu'on a appelé le nom avec Bismillah, on va manger. Celui, Allah, qui sait qu'il tue, mais il a dit, si quelque chose est mort, on n'est pas fait Bismillah, égorgé, on va manger. C'est à cause de ça, il y a quelque chose qu'on va parler dans les hadiths, ça va vous sortir clair. En islam, il a dit, ma aharra damu wa zakara ismallah alayhi fakulu. Tout animal, et on a égorgé le sang, est sorti, avec le nom d'Allah, vous allez manger. C'est à cause de ça, en islam, si tu prends mouton, tu es en train de taper le poteau avec le mouton jusqu'à ce qu'il est mort. Même si tu as dit bismillah, on ne mange pas. Écoutez bien, tu attrapes le cou de mouton, tu dis bismillah, tu vas cacher ça, on ne mange pas. Tu prends bâton en train de frapper mouton, bismillah, là, bismillah, là, jusqu'à ce qu'il va mourir, on ne mange pas. Pourquoi? Parce que le sang n'est pas sorti. C'est ça qui est kaïda dans l'islam. Ma akhar al dam. Tout ce que vous avez versé le sang de ça et avec le nom d'Allah, là vous allez manger. Ça veut dire ça dans les surat al-Ma'ida, wal munhanikatu, wal mawquzatu, wal mutaraddiyatu, wa ma akalla as-sabhu illa ma zakaytum, wa ma zubiha 'ala an-nusbi wa an tastaqsimu bil azlam zalika al-fisq. Allah facilite-nous. Ça quoi de ça? On doit faire l'effort de connaître des choses comme ça. Voilà pourquoi il a dit, si vous les critiquez, c'est comme musulmans, vous allez voir, les gens vont dire, mais vous, musulmans, vous ne mangez pas les chiens. Or que Allah dit, inna ma haram alaykum maytatu wa damu wa lahmul hindir. Il n'y a pas le nom des chiens qui est venu dans les Coran, on ne mange pas. Pourquoi vous ne mangez pas les chiens? Les gens vont amener des lois comme ça. Le Coran marche avec les sunnas. Les sunnas marchent avec le Coran. C'est dans les sunnas que le prophète a interdit qu'on ne mange pas les chiens. C'est ce que le prophète a interdit, c'est Allah qui a interdit. Pourquoi? Parce qu'Allah dit Wama yente Quran il. Il ne parle pas de son plaisir. C'est Allah qui lui dit, il faut parler, il va parler. Désobéissant le prophète, c'est Allah que tu as désobéi. Si tu as obéi au prophète, c'est Allah que tu as obéi. Allah facilite-nous. Amen. C'est ça, Allah dit, « Wa inna shayatin, en vérité les démons, les shayatin, les yahoulouna, il a awliyaihim. Ils font les révélations envers leurs partisans. Li, afin que Yujadalou comme venez critiquer, faire faux débat avec les musulmans. Pourquoi vous ne mangez pas celui-là? Pourquoi comme ça? Pourquoi comme ça? Ou in atatumuhum. Si vous les obéissez dans leur passion, il n'a comme ce moment vous là,
la mushrikuna, vous devient des associateurs. L'affaire des chiens, Allah pardonne. Amen. Je vais vous parler un hadith qui est venu dans les soyeux musulmans, un hadith qui fait peur. Beaucoup de musulmans négligent le shirk. C'est deux personnes qui voyagent, ils ont arrivé au village. A dit cela, le prophète a dit Dahala Rajul le Janna Zubab ou Dahala Naru Ani Zubab. C'est deux personnes qui sont parties du village. Village là, leur loi, tu ne vas pas passer, ils ont un idole, il faut sacrifier sur l'idole. Deux personnes arrivent, ils ont dit vous allez sacrifier avant de partir. Ils ont dit non, nous on ne va pas sacrifier pour votre idole parce que nous sommes des croyants. Et à plus forte raison, on n'est pas à quoi sacrifier. Même s'il y a, on ne sacrifie pas. Ils ont dit non, voilà le zubab. Même si c'est mouche. Vous connaissez mouche, non? Même si c'est mouche. Mouche, tout le monde peut attraper. Même si c'est mouche, attraper, couper la tête, vous déposez sur l'idole, vous partez. L'autre musulman dit, il dit même quelque chose qui n'arrive pas mouche. Je ne vais jamais sacrifier ça pour quelqu'un sauf Allah. Moi, je ne le fais pas. Et ils l'ont tué. Le prophète a dit, il est rentré paradis. L'autre a dit, moi, c'est rien. Après, j'ai fait tout. Bah, il a attrapé Mouchi, il a mis sous les dents. Il est mort. Il est parti l'enfer. C'est à cause de ça, la fête des shirki, il ne faut pas suivre le cœur de quelqu'un. Après l'adoration de Allah et l'obéissance du prophète Mohammed, troisième position, c'est ton papa et ta maman. Écoutez bien. Troisième position, c'est qui? C'est ton père, ta maman. Wakada Rabbi Allah Ta'ala illa iya. Après la vie, Rabbi Ibrahim Isana. Musulman ne rentre pas au paradis si tu n'as pas obéi ton père et ta maman. Toute personne qui a désobéi son père en colère, c'est fini pour toi. Ton paradis est fini, c'est fini pour toi. S'ils sont vivants, il faut leur demander pardon. C'est comme ça, ta maman. Vous avez vu comment ils ont parlé dans l'islam, non? Mais malgré ça, Allah dit, ton père et ta maman, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun, ce moment, Allah dit, fala tutihuma. Il dit, malgré que moi, Allah, je vous ai dit, respectez vos papas, obéissez-les. Si ton père et ta maman, ils vont te forcer pour que tu vas associer Allah. Allah dit, ce moment, il ne faut pas obéir ton père. Il ne faut pas obéir ta maman. Parce que ce n'est plus leur droit. Ça, c'est le droit d'Allah qui est bafoué. Beaucoup d'entre nous, c'est ici qu'on fait des erreurs. Il dit, c'est mon père, je fais comment? Il dit, c'est ma maman. On m'a dit, non. On dit, attends à ton fils, ma roufi. On dit, obéissance, c'est dans le bien. Tu ne vas pas obéir quelqu'un dans le mal. À plus forte raison, là où ton iman va t'échapper. Nassalou la salamata wa la fia. Allah dit wa in ata'tumuhu, si vous les avez obéi, innakum la mushrikun, vous deviez les associateurs. Bon, ici Allah dit ne mangez pas ce qu'on n'a pas invoqué le nom de Allah. Musulman connaît que si on veut égorger un animal, on doit dire bismillah Allahu akbar et on va égorger. Mais on a déposé l'animal. Avant de venir égorger, il a mis coutin, il a égorgé, il a oublié, il n'est pas dit bismillah. On fait comment? Allah dit, wala ta'kulu mimma la yuzkar ismullah alayhi. Pourquoi Allah dit, innahu wa innahu la fisku? C'est la salité. Voilà notre frère musulman, il veut égorger, il a oublié. Et ça, ça peut arriver. On fait comment? On va manger sa halal en tayyiba. Rabbana la tu'akhizna in nasina. Allah Ta'ala. Hadith est béni. Notre mère Aïcha, radiallahu anha, il a dit Anna nasa qalu ya Rasulallah, inna qawman ya'tunana bilahmin, la nadiri abakara ismallahu alayhi amla. Qala sammu alayhi wa antum wa kulu. C'est les gens qui sont venus voir le prophète Mohammed. Ils ont dit au messager d'Allah, on nous apporte de la viande. Les gens qui nous apportent de la viande, on ne sait pas. Ils ont prononcé le nom de Allah ou bien ils n'ont pas prononcé le nom de Allah.
Le prophète a dit, vous prononcez le nom de Allah et vous mangez. Mais c'est quel genre? Ce n'est pas les kuffars, c'est les musulmans qui se sont islamisés nouvellement. Ceux qui sont islamisés nouvellement. Ils sont des musulmans, mais ils ne savent pas que si on veut égorger, on va dire Bismillah. C'est eux qu'on parle. Faut pas un kafir t'amener là, viens dire, il n'a pas dit Bismillah. Tu dis, ah, toi tu dis Bismillah, Allahu Akbar. Tu commences à manger, tu as mangé mouche. Oh. Est-ce que vous comprenez bien? Non. Qu'Allah nous facilite. Non. Parce que c'est Imam Bukhari qui a amené. Wa qalat, et c'est là que notre mère Aïcha dit, Kanu hadithu ahadil bi kufri. Ces gens-là, ils sont rentrés dans l'islam tôt. Vite, vite. Il n'a pas encore connu tous les détails de l'islam. C'est comme quelqu'un qui a islamisé nouvellement. Quand il fait la prière, il y a un moment, mais subhanahu wa ta'ala, il ne fait pas. Parce qu'il ne connaît pas. Sa prière est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Bihilafu, contraire de toi qui a Dieu dans l'islam. C'est toi qui connais, si tu ne fais pas là, tu as le problème. Mais lui, c'est nouvellement rentré dans l'islam. Il y a beaucoup de choses qui le savent. C'est étape par étape. C'est étape par étape qu'il va laisser. Un vendredi chez moi à Libandé, j'ai fini Djouma, je suis en train de je suis assis. Les gens viennent me saluer. On a amené quelqu'un, je l'ai islamisé. Il est devenu musulman. Le monsieur qui l'a amené, je lui ai parlé tout. Le contexte de l'islam. Après, le monsieur qui l'a amené m'a dit, imam, il vit avec une femme hors de mariage. Il faut lui dire que comme il est devenu musulman, il n'est qu'à la chasser. C'est là que j'ai dit, mon frère, tais-toi, ferme la bouche, ce mot-là, il ne faut plus faire sortir ça. J'ai dit, laisse ça. Il n'est pas encore arrivé au contexte là. Il ne faut pas parler ça. J'ai dit, hey, je t'ai dit, laisse. N'amène pas ce sujet. Il est devenu musulman, non? Alhamdulillah. Il n'est qu'à aller continuer à prier. L'affaire des femmes, là, n'amène pas. Vous savez pourquoi? Si on amène l'affaire des femmes là, le monsieur peut dire, ah, si c'est comme ça, gardez l'islam d'abord. Mm. Est-ce que vous nous suivez? Non. Et ce monsieur que je vous parle, aujourd'hui, à l'air là, sa femme est devenue la femme légale pour lui. Elle est islamisée, ils ont fait un mariage normal. Personne ne l'a pas dit. C'est lui-même quand il a commencé à pratiquer cela, il a su que de vivre comme ça avec une femme, ça n'est pas autorisé sur ma personne. Bon. Allah donne la compréhension. Allah dit quoi? وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah dit « Awa man kana meitan » Celui-là qui était mort. Et nous, Allah, on l'a revivre, on l'a donné la vie. Waja'alna lahu nuran, et nous, Allah, on l'a accréci lumière. Lumière là, yamushi bihi finnasi, ça lui permet de marcher parmi les gens avec la lumière. Kaman masaluhu fi zulmat, est-ce que ce monsieur, que nous, on l'a donné la vie, on l'a donné la lumière, est-ce qu'on peut lui comparer? Celui qui est musulmane, il est dans les ténèbres. Il ne va pas sortir dans les ténèbres 24 heures sur 7. Ils ne sont pas pareils. Allah dit Kaza et Kaza, c'est nous Allah. Zoujine et les Kathirines. On a embellé pour les fidèles. Le mauvais travail qu'ils font, ils pensent qu'ils sont en train de faire du bien. Imam, c'est 7 et 7 Allah est en train de donner par rapport entre musulmans croyants. Allah donne par rapport entre croyants. Il a dit Haza masal daraballahu ta'ala al-mu'min. Ça, c'est une parabole que Allah,
français à terre, c'est un exemple qu'Allah a été donné ça, sur quelqu'un qui est musulmoumi, un croyant. Allez-y, kana mayite. Avant, quand tu n'étais pas croyant, tu étais cadavre. Parce que toute personne qui est kafre, il est déjà mort. Mais après, Allah t'a donné l'islam. Il t'a donné quoi? La vie. D'être musulman, c'est là que tu es vivant. Ayyibi dola alati halikal. Et fa'ayallahu ay ahayahu kalbu bil iman. Allah t'a donné la vie. C'est-à-dire, il a réveillé ton cœur avec la foi. Wa l'hidayatu lahu, avec la guidance envers lui. Wa wafakahu ittiba ar-rusul. Et il t'a donné la chance, tu obéis les messagers. Tu as vu, tu es devenu l'homme vivant. Tu es devenu l'homme vivant. Bon, maintenant, celui-là qui il est dans les kufr, lui n'a pas accepté l'islam. Est-ce que les deux personnes-là, ils sont pareils? Lui-là, Dieu l'a donné la vie. Dieu l'a donné lumière. Quand tu pries ces lumières, tu fais le coup de lumière, lecture de Coran lumière. Est-ce qu'il est pareil avec Kamal Masalou ou Fizulma, celui qui est dans les ténèbres? Il ne connaît pas la vie, Janaba. Il ne connaît pas la mission. Il ne connaît même pas s'il va aller se soulager, faire propre à sa partie, les deux parties. Il ne connaît pas tout ça. Il ne connaît pas séparer entre la main gauche et la main droite. On doit faire la main droite avec quoi? La main gauche, on va faire comment avec ça? C'est nous les musulmans, Allah nous a montré, il dit, ne mangez pas avec la main gauche. Et il a dit, ne trappez pas votre sexe avec la main droite. S'il n'y a pas dans l'islam, toutes les études qu'on a fait dans l'école française, il n'y a pas ça. C'est le prophète qui a amené ça. Non. Il a dit, n'attrapez pas votre sexe avec la main droite. Quand vous partez pour faire les besoins, tu finis avec la main gauche qu'il faut te nettoyer. Si tu as te nettoyé, fini avec papier hygiénique, tu vas nous accompagner avec l'eau. Tu finis, tu viens laver ta main, tu mets le savon, tu nettoies la main, pouf, mouille à l'amour. Mais si tu n'es pas musulman, tu ne connais pas ça. Tu vas lever ton sexe là, tu vas pisser là, tu mets ça dans ton costume tout de suite là. Tu commences à marcher. Et en marchant, le goût tombe. Le goût tombe dans les livres de son excellence. Il n'y a pas de problème ça. Il y a un problème. Pourquoi l'islam nous a interdit de ne pas manger avec la main gauche? Le prophète a dit, ah, votre ennemi là, qui? Shaitan. Lui, il mange avec la main gauche. Il donne avec la main gauche. Il reçoit avec la main gauche. Faisait contraire. Est-ce que tu peux imiter ton ennemi? Vous mangez avec la main droite. Donner avec la main droite, recevoir avec la main droite. C'est comme ça que j'ai prêché, je ne sais pas si c'est laquelle mosquée, à Iyayou, à Zayon, à Dragage, où c'est plein de gens, je ne sais pas. Quelqu'un m'a posé question qu'ils sont des taximans. J'ai parlé le jour à ce Mordou de manger avec la main droite, de sortir avec la main droite. Il m'a dit, et ils sont des taximans. Certains clients, quand ils rentrent, ils te donnent avec la main gauche. Comme il sent les énerves et aussi prend avec la main gauche. Est-ce que comme ça c'est bon? Je dis c'est pas bon. Quran a dit la yastawi allazina ya'lamuna wa allazina la ya'lamuna. Quran a dit ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, vous n'êtes pas pareil. Majorité, ceux que vous disent que vous donnez avec la main gauche là, c'est nos frères, c'est nos sœurs. Mais ils n'ont pas eu la chance que Dieu nous a donnée et pour les amener dans l'islam. Et ils ne connaissent pas que c'est interdit. Ils ne connaissent même pas que ce n'est pas bon. Mais toi, tu es musulman. Toi, tu connais. Et tu fais le travail que tu fais, c'est ton travail, c'est ton sujet. Elle ou il qui t'a donné avec la main gauche, toi, tu prends avec quelle main? La main droite. Et Allah met le baraka dedans.
Maintenant, si tu l'as obéi, il attend tout le monde, tu es devenu quoi? Comme lui. Et ça, ce n'est pas le taximan seulement, même dans le marché, beaucoup. La main gauche, toi, si tu prends ça avec la main gauche, nous sommes différents. Prends avec la main droite. Allah facilite-nous. Allah dit, il est dans le ténèbre, mais ça dit, il n'est pas quelqu'un qui est sorti dans ce ténèbre. Kaza Ali Kala dit, c'est comme ça, Zuyina le Kefirina, on a embellé, Shaitan a embellé les quoi, les infidèles, ma kanu yamalou, les mauvais travail qu'ils font, Shaitan a embellé ça, ils pensent qu'ils sont dans le bien. Dans les surat al-Baqara, Allah dit, Allahu waliyu lazina amanu. Allah, celui qui est allié des croyants. Comme Allah, il est allié des croyants. Français à terre, c'est Allah qui est l'ami des croyants. C'est ça qu'on dit, l'allié. Il a dit, Yuhridjoum mina zulmati ila nur. Allah, il fait sortir les musulmans dans les ténèbres, il les amène dans la lumière de l'islam. Et Allah dit, wallazina kafur, mais ceux qui sont les infidèles. Si on dit les infidèles, ceux qui sont des koufars. Aulia Uhumutogu. Elle, leur allié, c'est qui? C'est le démon, le diable. Diable aussi, Yohuru Yohumina Nuri, il les soumette. Diable les fait sortir dans les lumières de l'islam et les amène dans les quoi? Dans les ténèbres de l'association. Allah dit Oula et Kashabu Nar Gumfira Khalidun. C'est ceux qui sont les gens de l'enfer. Dans les surat al-Mulk, Allah dit Afama yamushi mokibaya. Ala wahi ahada. Ama yamushi sawiyan. Ala suratim mustaqim. Allah dit celui qui marche la tête est courbée. Il ne connaît même pas la route. Il marche la tête courbée comme ça. C'est lui qui va aller dans le tout droit. Ou bien c'est celui qui marche la tête haute, il regarde la route, il va passer. Entre les deux, qui va prendre le bon voie? C'est celui qui mange la tête haute, non? Mais celui qui est courageux, il va voir la route. Il peut aller même tomber dans les caniveaux sans savoir. C'est pour te dire que celui qui il est vivant, Dieu l'a donné l'islam, alhamdulillah. Lui, c'est lui qui est vivant. Mais celui qui est cadre, lui, il est toujours dans les cadavres. Il est cadavre encore, il est dans les ténèbres. Que Dieu nous pardonne. Amen. Allah dit quoi? وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. Le passage qu'on vient de sortir, il y a beaucoup de versets qui sont venus traduire ça. Mais un peu qu'on a fait dedans, qu'Allah fait que vous avez compris. Allah dit, c'est comme ça, nous, Allah, nous, on a fait, dans chaque pays, il y a des grands, grands criminels. Chaque pays, c'est comme ça, on a fait. Les criminels, leur travail, c'est quoi? Allah dit, et ils vont compléter du mal dans ce pays. Allah dit, mais tout ce qui va compléter, وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Tout ce qui sont en train de comploter comme du mal, en faisant les gens aujourd'hui, à la fin du compte, il est dans des cas. Il va mourir dans le mal, ou soit il finit en prison. C'est lui qui va suivre les conséquences. C'est lui qui va suivre quoi? Conséquences. Allah facilite. C'est à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est hier, si je me rappelle, hier on a fait le parti, Allah dit, Kaza ali kaja anna le kulli nabi aduwan min al mujrimin. C'est comme ça, on a fait tout prophète, il a des ennemis parmi les criminels. Allah nous dit encore, wa iza aradna an nukhliq al karya. Si nous, Allah, on veut détruire le pays, on fait comment? Amarna mutrafiha. On recommande les gens qui ont les responsabilités dans ce pays, les grands types, ceux qui ont des grands postes, de faire du bien,
de recommander du bien, d'interdire le mal, de parler avec l'acquitté, de juger avec l'acquitté. Mais si ils ont refusé, ils ont pris le mauvais travail, l'injustice, du vol, fait tout. Allah dit ce moment, Fahako alayhim kaoulou. Ma parole devient versée, Fadam marnahum tadmira. Je veux les écraser une bonne fois. Allah facilite. Amen. C'est à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette verset, il est en train de nous parler que chaque pays que vous allez voir, si on dit Al-Koryati, ça c'est le pays qui a des alliances avec les autres villages, villages, avec les autres pays, puis on appelle ça Karia. Allah dit, chaque pays, il y a des grands, grands criminels. Allah facilite. Certains même, et ils pensent qu'ils sont immortels. Certains même, ils pensent qu'ils sont intouchables. Mais si le jour arrive, tu vas voir que ce n'est pas lui. Si le temps d'Allah arrive, tu vas penser que ce n'est pas lui. Allah dit quoi? وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ. Allah dit, à chaque moment, quand mes versets arrivent, le prophète a mené verset, nous, on ne croit pas. Ça, c'est le coupable qui dit ça. Il dit, on ne croit pas. Il faut qu'il nous amène le miracle que les autres prophètes ont mené, comme prophète Moussa. Comme prophète Isa. Vous voyez que le Mohammed n'est qu'à sortir de ça, il n'est qu'à mener un miracle comme ça. C'est là qu'Allah dit, ah, Allah, celui Allah, à Allah, qui est plus connaisseur, Haïsu Yadji al-Risa al-Ata. Allah, il connaît qui mérite d'être prophète et par où Allah va mettre son message. Il sait que c'est le Mohammed Rasulullah qui mérite d'être prophète. Allah l'a choisi. Ça ne demande pas, il a mené miracle, il n'est pas mené miracle, mais c'est un prophète de Allah. Haïsu Yaja'ala Risalata. C'est là qu'Allah dit, Sayyusubu lezina ajramu sogar. Ça va toucher ceux-là qui ont criminé, que c'est révalisé, sogarun, minimise. Indallah, ça va quitter auprès d'Allah pour les minimiser. Après la mort, il y a châtiment douloureux qui les attend. Pourquoi? À cause de leur mauvais complot qu'ils sont en train de comploter sur le messager. Tu as vu ici, ils ont dit, il ne va pas croire le prophète Mohammed. Premièrement, mais ils ont dit, il ne croit pas le prophète. Est-ce que c'est lui qui est le prophète? C'est à cause de ça, ils ont parlé beaucoup de trucs. Certains même, ils ont dit, Allah n'est pas vu celui qu'il va envoyer. C'est lui-là qu'il va envoyer. C'est à cause de ça, vous allez voir. Waqalu lan nu'mina hadha al-Qur'an. Ala rajulin. Il a dit, waqalu lawla nuzila hadha al-Qur'an ala rajulin min al-qaryatayni azim. Ils ont dit, Allah ne sait pas même faire. Pourquoi Allah n'a pas donné le Qur'an dans tel village qui a deux grands messieurs? Il y avait les grands, grands koufars, les grands, grands types que tout le monde pensait. Ils pensaient que c'est eux que Allah devait donner le pouvoir d'être prophète, pas prophète Mohammed. Parce que prophète Mohammed, tout le monde le connaît. On connaît son père, on connaît sa maman. Ils ne sont pas dans les familles riches. Mais celui que Dieu a transformé. C'est là que Allah les a demandé, « Ahum yaqasumun rahmati rabbik » Est-ce que c'est eux qui partagent le bienfait d'Allah? Allah dit, c'est pas vous qui partagez. C'est moi, Allah, qui partage. Et je donne celui que ça me plaît. Dans l'autre verset, on dit, « Iza ra'aka allazina kafaru, iyattakhizunaka illa huzwa. Ahaza allazi ba'asallahu rasoula. »
quand les koufars de la Mecque, quand ils voient le prophète Mohammed, alors tu dis à Raha, tu dis à Raha, si ceux qui sont fidèles, quand ils te voient, il y a ta Jésus, il te voit, il la reçoit, l'homme manqué, il te manque. Il est manqué, il dit, voilà, lui aussi, il dit, voilà. C'est lui là aussi qui a tenté de manquer le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que tu as dit, Allah dit, wa iza ra'aka iyattakhizunaka illa khuzwa ahaza alladhi yazkur alihatina wa hum bi zikri rahman hum. Allah dit, si tu vois, iyattakhizuna illa khuzwa, il ne te considère pas, il te prend comme des choses manquées. Il dit, ahaza alladhi yazkur alihatina, celui-là qui est venu en train d'insulter nos divinités, وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ وَهُمْ كَفِرِينَ. Quand on le dit, c'est Rahman, c'est Rahim. Ils ont dit, nous, on ne connaît pas Rahman. On ne connaît pas Rahim. Ça veut dire que ça, les a dit, qu'il dit Allah, qu'il dit Rahman, أَيَّمَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Il dit qu'il ne connaît pas Allah qui s'appelle Rahman. Il ne connaît pas Allah qui s'appelle Rahim. Ça veut dire que ça, dit, وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ. Quand on le dit Rahman, هُمْ كَفِرُونَ. Il dit, nous, on mécrit, on ne connaît pas Rahman. Allah est en train de calmer son prophète Mohammed. Il ne faut pas t'inquiéter. On a manqué beaucoup de prophètes. Mais qu'avant qu'avant toi, prophète Mohammed. Mais qu'est-ce qui arrive? Allah dit Fahaka bil lazina sahiru minhu. Conséquence est tombée sur ceux-là qui manquent les prophètes. Ma kanu bihi yastahzinun. Les gens, le manquer qu'ils font là, c'est devenu message que Allah il a fait tomber quoi? Le châtiment sur lui. On ne manque pas un prophète. On ne manque pas les héritiers des prophètes. On ne manque pas le travail d'Allah. On ne manque pas les gens qui font le travail d'Allah. Parce que quand tu les as manqués, c'est Allah qui les a envoyés que tu as manqué. C'est comme ça, Allah dit, Allahu a'alamu. C'est Allah qui est plus connaisseur. Haysu yaj'al risalata. Allah, il connaît là où il a envoyé son risala. C'est comme ça, c'est venu dans le hadith. Hadith que... Asqa radiallahu anhu il a mené Anil Wasil. Le prophète Mohammed, il a dit Inna Allah astafani min waladi Ismail. Allah m'a choisi dans les enfants du prophète Ismail. Et min waladi Ibrahim, Ismail, dans les enfants du prophète Ibrahim, au niveau du prophète Ismail. Wastafani min bani Israël, Ismail, bani, min bani Israël, bani. Kinanatun. Il a dit, Allah m'a désigné parmi les enfants de Ismaïl, on est sorti dans les familles de Al-Kinana. Wastafa min bani Kinanatun Quraysh. Les familles de Kinana aussi, on a fait sortir les Quraysh. Wastafani min al-Quraysh bani Hashim. Dans les Quraysh, on a levé les familles de Hashim. Wastafani min bani Hashim. Et moi, prophète, je suis sorti dans les familles de Hashim. Dieu a choisi, 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 choisi jusqu'à s'arriver le prophète Mohammed, le meilleur sur la terre, sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith que l'imam Bukhari il a amené, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dit Anna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, Inna Allah khalaqa khalaqan, faja'alani khalaq, faja'alani khayra khalqihi, waja'alahum fariqayni, faja'alani khayrun fariqan. وخلق القبائل فجعلني خير قبيلة وجعلني بيوتا فجعلني خير خيرهم بيتا فأنا خير بيت وأنا خير نفس. Ça c'est un discours authentique aussi. Le prophète Mohammed, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il dit moi, je m'appelle Mohammed. C'est mon père qui s'appelle Abdullah. Le père de mon père s'appelle Abdul Muttalib. Le prophète a dit, c'est moi qui est Mohammed. Le fils c'est Abdullah. Abdullah, son papa c'est qui? Abdul Muttalib. Il a dit, Allah a crié, il a fait sa création. Et il m'a fait que moi, prophète, je suis meilleur dans la création d'Allah, dans la créature d'Allah. Et il a fait deux groupes. Et il m'a choisi parmi les meilleurs des groupes. Il a crié des kaba'il, des tribus. Et il m'a fait sortir dans les meilleurs des tribus. Et il a fait des qualités, beaucoup de maisons.
et il m'a fait sortir dans les meilleures des maisons. Et il a dit, c'est moi qui ai sorti dans les meilleures maisons, c'est moi qui ai sorti dans les meilleures âmes. Ça, c'est le prophète Mohammed, que Allah est en train de dire que Allah wa a'lamu khayr yaj'al risalata. Allah sait que c'est lui qui mérite d'être le prophète. Ça coûte ça dans les surat Yasi, Allah dit wa innaka lamin al mursali. Toi, tu es parmi les messagers. Calme de la compréhension. Il a dit quoi? فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدَ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. الله سبحانه وتعالى يريد فمن يريد الله سليك الجوف أن يهديه كل جد يشرح صدره للإسلام. الله إكلاسي شنكر إما إسلام ديدا قال إكلاسي نترك عليك إسلام. ومن يريد أن يضله celui que Allah il veut lui égarer, yaj'al sadrahu dayyiqa, Allah il fait son cœur serré, harrajan, dur, ka'annama yas'adu fis sama, c'est comme quelqu'un qui est grimpé dans le genou qui était là-bas tombé. Allah dit kazalika, c'est comme ça, yaj'alullahu rijsa, Allah il met la salité ala lazina la yu'minun, dans le cœur des gens qui ne croient pas l'au-delà. Le prophète Mohammed, quand il a lu cette verset, dans l'autre, dans le surat Zumar, Allah dit Afa man sharaha sadrahu lil islami fa huwa ala nurin min rabbi. L'autre verset, il a dit Walakin Allah habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Dans le surat Al-Hujurati. وَقَرَّحَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوكَ وَالْإِسْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. On a demandé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, parmi les musulmans, quel musulman qui est intelligent? سُئِلَ رَسُولَ أَنِ أَيِّ الْمُؤْمِنِينَ أَكِيَسُ. Parmi les croyants, qui est intelligent? Oui. Le prophète a dit Aksaruhum zikra lil mawti wa aksaruhum lima ba'dahu isti'dad. Le prophète a dit parmi les croyants, celui qui est intelligent, c'est celui qui rappelle fréquemment la mort beaucoup. Écoutez, parmi les croyants, musulmans, celui qui est intelligent, c'est celui qui rappelle la mort fréquemment beaucoup. Et il prépare les conséquences qu'il attend après la mort. Allah dit, vous qui sommes des croyants, craignez Allah. Chacun d'entre vous n'est qu'à bien méditer. Tu as fait quoi pour demain? Chacun d'entre nous qui vient vous voir, tu vas réserver l'hôtel là où tu vas rentrer. Là-bas. Gardez ici, là, c'est après la mort. Allah dit, chacun n'est qu'à bien méditer. Tu as pensé quoi? Parce que quand quelqu'un tu es mort, ce que tu as gardé là-bas, c'est ça que tu vas trouver. Si c'est bien, tu trouves le bien. Si c'est contraire des biens, que Dieu le préserve. Amen. Parce que le Coran est sorti clair dans les surat al-Zalzala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّةِ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّةِ شَرًا يَرَهُ. Tu ne peux pas planter le maïs et devant Allah, tu vas aller récolter quoi? Mais pour moi, quelque chose à contrer de ça. Non, non, non. Ce que tu as planté, c'est ça que tu vas tenir. Si tu as fait du bien, c'est le bien que tu vas avoir là-bas. Si tu as fait du mal, c'est le mal que tu vas faire là-bas.
Wajaza umindinsil amal. Le prophète Mohammed, il a dit parmi les croyants, c'est celui-là croyant laquelle on dit il est intelligent. Ça, c'est parole prophétique et c'est la parole des divinités que Allah il donne les prophètes de nous parler. Ce n'est pas les paroles qu'on nous enseigne à l'école. Non. Ces paroles-là, ça dépasse. À l'école, on te dit celui qui est intelligent, c'est celui qui connaît tel. Où est-ce que ça? Un intellectuel. Il a tel diplôme. Allah dit tout ça, « Ya'alamouna zahira min hayat al-dunya. Wahum anil akhiratuhum. » Il a dit qu'il connaît seulement les désirs, les meilleures choses de dunya. Mais l'au-delà, il ne connaissait rien de l'au-delà. Un jour, ici le Bréville, il y a un grand type, il est musulman, il est mort. Le jour là, on est parti dans les cimetières que vous voyez là, avec majorité, il y a plus de 6 ministres qui ont accompagné, c'est leur frère. Le monsieur, si c'est un directeur cabinet ou bien le quoi, c'est un grand monsieur. Le jour là, les gens déversent là. Les voitures, le padelot noir, voilà, cimetière là. Le jour là, nous aussi, on était dans les noirs, un noir padelot aussi. Et tout ça, on est parti dans notre cimetière là. Quand on a enterré le frère là, fini. Il y a notre père, j'ai oublié son nom, il était en Mbaclé, celui qui partait avec les gens à la Mecque, il est mort un moment comme ça en même temps. Que Dieu lui pardonne. Ah, c'est un papa battant. Non. Travail, voilà. Que Dieu lui pardonne. Il est mort le temps de Hajime. Il devait partir là demain. Il est mort. Qu'Allah lui pardonne. C'est lui qu'on a donné la parole. De parler cimetière, parce qu'il y a les musulmans et les non-musulmans. Quand on a fait sortir les messieurs là, et on a levé dans le tissu blanc, on a mis dans la tombe tous les grands qui sont là avec les cravates, tout le monde a desserré son cravate. Wallah, les jours là. Ils ont desserré. Ça dit, certains, c'est leur première fois de voir ça. Ils n'ont jamais vu ça. Et on a mis ce monsieur grand type. Celui que son bureau, dès que tu s'arrête, il va appeler qu'on n'ait qu'à regarder. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah. On l'a mis à terre, il n'y a pas le ciment, il n'y a rien. On l'a posé. Après, on a amené les bois, on a mis, ou on peut dire les planches, on a fermé, on a amené les herbes, on a mis, on a versé le sable. Ils ont enlevé les vestes. Ils ont enlevé les vestes, donné les chauffeurs et déposé dans la voiture. Parce que le corps est tendre. On a fermé, monsieur. Après, le monsieur, il a pris la parole. Il a dit, les excellents que vous êtes ici, voilà votre frère. C'est comme ça notre coutume islamique, on l'enterre. Il est venu auprès d'Allah la main vide. Il est retourné la main vide. Tous les noms qu'il s'est surnommé, directeur, quoi, son excellence. C'est fini. C'est ça qui est la réalité. C'est là qu'il a mené de ces dialogues. Il dit, c'est dans la terre qu'on vous a créé. C'est là que vous allez retrouver. C'est de là encore qu'on va vous sortir une dernière fois. Et il a dit, vous qui sommes là, voilà notre islam. Il n'y a pas quelque chose en dehors de ça. Là où il est, il n'y a rien qui peut nous sauver. Et il a besoin d'auprès de nous si on est capable de demander Dieu de lui pardonner. C'est tout ce qu'il dit. Le jour là, dans la voiture que j'étais dans la voiture d'un ministre avec les gardes-corps. Tout ici là, c'est un gros gros comme ça. Vous connaissez le gros gros là. Quand on est rentré dans la voiture, avant qu'on parte, il causait. Wallah, jusqu'à on est revenu. Vous voyez est-ce faux là. Quand vous arrivez à ce faux là, où il y avait la femme qui a fait les... la femme présidente là, celle qui est décédée là. Rose, elle est là. À côté de sa maison, le monsieur habite à côté là. C'est là qu'on est venu. Depuis qu'on est quitté au 12, jusqu'à qu'on est arrivé là, personne n'est pas parlé dans la voiture. Ils sont dépassés. C'est ça qui est la réalité.
C'est ça qu'est la réalité. C'est ça qu'est la réalité. Mais si Allah n'est pas guidé l'homme, il peut voir tout ça sans les lire. C'est ça Allah dit. كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ رِجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Comme ça, nous, on met la salité dans le cœur de ceux-là qui ne croient pas en nous. Sinon, quand tu as vu ça, là, toi, tu sais que ça, c'est la vérité. On peut mentir, mentir. Vous attendez que musulman, voilà, tu as vu ça, aïn ou l'yakin. Allah donne la compréhension. Amen. Qu'Allah nous pardonne. Amen. Allah aimé les barakas dans notre vie. Amen. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne notre péché. Amen. C'est ici qu'on va s'arrêter. Barakallahu fikum. Wa jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des questions?